Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Alors avant de vous présenter le glitch d'XP, j'aimerais vous demander une chose, c'est de vous connecter tous les jours à cette map que vous voyez à l'écran, donc le code est affiché à l'écran et il sera en description, en commentaire épinglé. Il faudrait que vous vous connectiez tous les jours, genre une minute ou deux, juste pour interagir avec quelques armes, construire deux, trois petites constructions, pour qu'on puisse, moi et Johnny, parce que c'est une carte de Johnny34 qui l'a créée, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir 1000 joueurs qui se connectent en un seul jour, pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et vous proposer nos propres glitches d'XP pour vous donner, pour vous montrer un maximum de glitches et des glitches d'XP qui pourraient être très 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 rentables. Mais pour ça, il faut qu'on puisse débloquer de l'XP sur cette map. Donc si vous pouvez vous connecter genre une minute ou deux sur la map tous les jours, là, franchement vous serez les boss et comme ça on va pouvoir débloquer des XP sur la map et vous proposer des glitches exclusifs. Donc merci à tous ceux qui le font, franchement, vous êtes des BG les mecs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif de Fortnite, donc vous sélectionnez les modes de jeu. Ensuite, vous allez dans les modes créés par Epic Games et là, vous allez chercher le mode de jeu, mode créatif. Ensuite, vous lancez le mode créatif en attendant que la map se lance. Vous pouvez aller dans la boutique d'objets et soutenir le créateur SCM. Donc, c'est mon code créateur. Merci à tous ceux qui le mettent. C'est pas obligatoire, mais si vous le mettez, vous êtes les boss. Donc voilà, pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker et partager la vidéo et commenter pour le soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait super plaisir. Alors maintenant, quand vous êtes dans la map le mode créatif de Fortnite, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 98605179457. Ensuite, par précaution, vous mettez point d'interrogation V égale et vous mettez la version 12. Donc vous mettez 12. Pour être sûr que le glitch fonctionne, parce que le glitch ne fonctionnera sûrement pas sur une version antérieure ou supérieure. Donc mettez bien le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne. Donc quand vous avez mis la map, là vous attendez tout simplement que la map se charge. Et vous allez voir que ce glitch va vous rapporter beaucoup d'XP. Et en plus, c'est un glitch qui va vous rapporter de l'XP en AFK. Donc vous n'avez rien à faire, juste à faire le glitch et ensuite vous ne faites plus rien. Donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Voilà, vous attendez que ça charge. Donc là, vous êtes dans la map. Ensuite, ici, un petit bouton pour soutenir un créateur. Donc, si vous voulez me soutenir, vous mettez le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous acceptez. Et comme ça, vous êtes les boss. Donc voilà, quand vous avez mis le code créateur, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre du bouton XP Trigger bouton. Vous appuyez sur carré. Là, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc là, je gagne 5 par 5. Donc quand ceci est fait, là, vous faites une edit comme ceci. Vous allez faire plusieurs edits pour aller jusqu'au bout du chemin. Voilà, comme je suis en train de le faire. Ok, quand vous êtes arrivé au bout du chemin, ici, vous tournez à droite. Et là, vous allez faire une petite émote juste ici. Voilà, vous faites une émote ici. Ensuite, vous faites une émote de l'autre côté aussi, comme ceci. Et là, vous allez voir que vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire, en plus de l'XP que vous avez déjà gagné en appuyant sur le bouton au début. Donc, regardez, ici, je suis à 54 000. Hop, ça diminue, ça diminue. Donc, regardez, là, je gagne des petits XP. Ok, au calme. Dans 6 secondes, là, il est marqué AFK XP in 5 secondes. 3, 2, 1... Boum, là je gagne un supplément d'XP de 380. Donc on va attendre, hein, normalement ça devrait augmenter. Bien entendu, les XP que moi je gagne, c'est propre à mon compte. Vous pouvez gagner plus d'XP, voire moins d'XP, ça dépend, c'est complètement aléatoire. Donc faut tester le glitch. Si vous gagnez plus, tant mieux. Si vous ne gagnez pas énormément, soit vous attendez 24 heures pour refaire un glitch d'XP,
ou soit vous testez un autre glitch, tout simplement. Donc là, regardez, on va avoir un bonus XP normalement. Voilà, là j'ai obtenu un bonus XP de 635 XP. Et ça, ça va le faire tout le temps en continu et vous allez gagner de plus en plus d'XP. Donc au début, j'avais gagné un bonus d'XP de 300. Là, j'ai gagné un bonus d'XP de 60. Donc dans 30 secondes, de 600. Donc dans 30 secondes, j'obtiendrai peut-être un bonus d'XP de 1200. Et plus le temps va passer, plus je vais gagner des XP normalement. Donc, on va tester ça de toute façon. Donc dans 15 secondes, on va voir combien d'XP je vais gagner. Okay, dans 2 secondes. Boum, normalement ça va s'afficher. Là j'ai gagné 1600 d'XP de bonus. Là je vais peut-être encore gagner des XP. Voilà, 1600. Là j'ai encore gagné un bonus de 129. 1600, j'ai gagné quand même. C'était pas mal. Hein. 105 ici. Ensuite dans 3 secondes. Boum. Là je gagne un bonus de 219. On va voir dans 10 secondes. Après vous pouvez continuer la map edit. Hein. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a d'autres XP plus loin, je ne sais pas. Faudrait tester, mais j'ai pas testé. Donc, si vous avez trouvé d'autres XP, regardez là, je prends un bonus de 457. On va voir dans 30 secondes combien je vais gagner. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins, ouais, 4, 5, 6, voire peut-être même 7 glitches d'XP AFK qui sont en train de se faire en même temps, en fait. Donc c'est assez cheaté. Hein. Donc là j'ai un bonus de 773. Donc on va encore attendre une minute pour voir combien d'XP je vais encore gagner. Donc attendez, j'étais à 58 000 quand j'ai commencé. Donc là je suis à 47 000. Donc j'ai déjà gagné 11 000 XP en 3-4 minutes quoi. Et c'est que le début, donc si je reste ici en AFK pendant, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, je peux rester maximum 3h49, il est marqué en haut à droite. Si je reste là pendant 3-4 heures, franchement, ça peut me rapporter énormément d'XP, surtout que je n'ai rien à faire. Donc ce que je peux faire, c'est aller manger, aller à la muscu, aller à l'école, aller travailler, tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc là, je vais avoir un bonus d'XP de 1700 XP. Et là, boum, je retombe à des petits XP qui vont me donner des petits bonus, regardez. 6... Donc hop, 133, 1, 109, dans 3 secondes je vais avoir un autre bonus d'XP de 227, donc ça c'est les petits bonus d'XP qui donnent, mais au début si vous avez remarqué je gagnais que 100, 150 XP, là il me donne 200, 300 XP, les petits bonus, après il y a le gros bonus là qui me donne 1700 là, regardez là il m'a donné un petit bonus de 472, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, au final vous faites le glitch ici, vous faites les trucs que je vous ai présentés au début de la vidéo, vous interagissez avec le bouton, vous dansez aux deux emplacements que je vous ai montrés, et ensuite vous restez en AFK pendant 3-4 heures et vous gagnez des XP en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.